Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'Atelier Créatif de Miss Lolo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, ça va. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 septembre. Il est aux alentours de 9h15 et je viens vous tourner une vidéo unboxing partenariat. Un colis qui me vient de la boutique GBFKE que je remercie énormément. C'est des produits que j'ai choisis le 23 août. Comme vous savez, j'ai pris beaucoup de retard sur mes vidéos, sur les colis que j'ai reçus. Donc je m'excuse par avance, mais je reprends petit à petit le fil, donc ne m'en voulez pas. Ça arrive, hein, c'est des choses comme ça. C'est la vie, hein, on est maman, on a nos enfants, nos boulots, notre maison, etc. Donc c'est vrai que YouTube pour moi passe un peu après. Et en ce moment, c'est vrai que j'ai encore accumulé un petit peu de retard, mais voilà, vous avez l'habitude avec moi, c'est comme ça. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. J'ai eu quelques nouveaux abonnés ces derniers temps, donc je vous souhaite la bienvenue. J'espère que mon contenu vous plaira. J'essaie de faire un peu plus de vidéos short. Pour le manque de vidéos de mes toiles terminées, je me dis que les petites vidéos short, ça peut combler un petit peu, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et du coup, on va découvrir ensemble ce colis. Donc dans ce colis, j'ai choisi une toile et un accessoire. On va découvrir ça ensemble maintenant. Alors, voilà la toile et un accessoire. Hop, j'enlève le papier. On va commencer par la toile. Donc, c'est une toile qui se situe dans les nouveautés avec diamant AB. Je vous ai déjà montré ce genre de toile il n'y a pas longtemps. Et là, une fois, ça n'a rien à voir avec les Disney. J'ai pris tout autre chose, j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai pris une toile avec des petites grenouilles. J'en avais déjà pris une dans une précédente vidéo, vous l'aurez vu je pense. Donc là, je remets un peu mon plastique, voilà. De toute façon, après je vais la mettre bien à plat. Et comme ça fait un moment que je n'ai pas fait de grandes toiles, peut-être, pourquoi pas, commencer celle-ci prochainement. En ce moment, je fais beaucoup de petites toiles. Je voulais avancer un petit peu mon stock. Je vais remettre un peu le plastique tout à l'heure. Nous y retrouvons dans cette toile le toolkit de base, style école barquette, pour commencer, hein, avec la petite pince comme d'habitude. Pour le toolkit avec ces toiles, c'est toujours le même. Donc voilà, c'est celui-ci. Au niveau des diamants, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut y retrouver. Donc, c'est du diamant carré. Donc, ça change un peu. Alors, je vais sortir les diamants pour éviter le bruit du sachet. Voilà. Alors, j'ai des diamants dans le sachet. J'espère qu'il n'y a rien trop de... Alors, au niveau des couleurs, on va y retrouver pas mal de verts différents. Alors, j'ai un petit peu la voix cassée, j'ai un peu mal à la gorge, pour être honnête. C'est vrai que c'est la rentrée des classes pour les enfants, et du coup, ma fille a déjà attrapé des petits microbes. Au niveau de l'impression, il n'y a rien à dire, c'est top. Au niveau des couleurs, on peut y retrouver 35 couleurs au total. Voici le rappel de l'image qui est juste ici et j'ai trouvé ça trop mignon. Et donc je vous montre un peu la toile. Je vais la mettre bien à plat là après pour éviter les petits creux comme ça. On a une jolie petite grenouille bleue, on en a une jolie verte. Et on en a une verte un peu plus flashy juste ici. Remplie de petits champignons. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Et je trouve que ça change de ce que je fais habituellement. Au niveau des couleurs, on a pas mal de teintes de vert. Alors, je vais vous les montrer un petit peu comme ceci. Voilà. Hop. Et comme d'habitude, on va regarder combien il y a de AB au total. Alors, on a du vert, on a différents jaunes. Ici. Ici. C'est super mignon. J'ai hâte aussi de la faire celle-ci, je trouve que ça change. On a différentes teintes aussi de marron. Alors, je vous les montre un peu comme ça.
Alors, je me suis remise à mettre du vernis sur mes ongles et je trouve que c'est vrai que pour les vidéos, c'est quand même plus sympa. Parce que dernièrement, c'était un peu n'importe quoi. Donc bon, c'est tout basique, mais je me suis amusée. Pour la petite aparté, j'ai mis des petits stickers Mickey. Alors, je déteste mes mains à la base, mais voilà. Alors, du coup, nous avons différentes teintes de bleu également. Hop, voilà, là on a 4 bleus. Donc c'est super joli aussi. Je pense que cette toile va être sympa. On a différents violets. Hop, voilà. Ici on a du rose. Alors. J'ai des petits diamants qui veulent se faire la malle. Voilà. On a encore deux couleurs comme ça. Elle est vraiment sympa. Donc 35 couleurs, c'est vraiment sympa, hein. Alors ici, en AB, là, on a encore du noir qui n'est pas du AB. Ouais, en ce moment, je fais beaucoup de toiles en diamants spéciaux. C'est des petites toiles. Mais je pense que prochainement, je vais peut-être faire celle-ci. Je pense. Je me disais qu'il fallait que petit à petit, je me remette dans les toiles pleines. Et du coup, là, nous avons 4 AB. Donc, dans les 4 AB, on va y retrouver du marron, du violet, du bleu et du blanc. Donc, je pense que ça va être sympa. Le marron, où est-ce qu'il va aller le marron? Il va aller un peu dans le champignon. Il y a du M, ouais, c'est ça, un peu dans le champignon, autour de la grenouille un petit peu aussi ici. Au niveau du blanc, on va en retrouver un peu dans les grenouilles également, dans les champignons, donc ça va être sympa. Du bleu, on va en retrouver dans la grenouille aussi également. Là, ça va être sympa aussi. Et le violet, on en retrouve bah, dans la grenouille aussi, un petit peu là. Donc il y a des touches par-ci par-là. Et je trouve que c'est sympa, ça évite d'avoir plein de zones 2AB. Donc dans un sens, comme on dit toujours, trop 2AB tue le AB. Et du coup, là, c'est bien, ils ont mis des petites touches par-ci par-là. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà pour cette toile que vous pouvez retrouver sur le site de GBFKE, pardon. En 40 par 40 avec 4 couleurs AB en diamant carré. Vous la retrouvez au prix de 10,89 € sur le site de GBFKE. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Ça se situe vraiment dans les nouveautés toile diamant AB. Donc ça c'est vraiment sympa. Et ensuite j'ai choisi un accessoire. Donc quand vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi cet accessoire. J'ai recraqué bien évidemment sur un stylet, mais c'est un stylet que je n'avais pas. J'ai craqué sur celui-ci. Donc vous savez que je me suis fait la petite collection. J'ai le jaune, j'ai le orange, j'ai le rose il me semble. Le violet j'ai un doute. Le vert. Et là maintenant le bleu. J'ai eu du mal à le trouver avec les embouts normaux. Du coup, je l'ai pris avec les embouts en fer. Je me suis dit pourquoi pas. Pour les diamants spéciaux, j'aime bien ce genre d'embout. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Hop, et nous avons avec les petits embouts pour que ça tienne de rechange. Donc ça, c'est top. Et du coup, on peut y mettre, voilà. Alors, je pense que c'est ma petite abonnée copine, l'atelier de moustique qui se moque de moi des fois pour les embouts. Tu verras au passage que pour celui-ci, j'ai réussi à le mettre sans problème. Donc voilà pour ce stylet avec les paillettes bleues à l'intérieur. Je trouve ça super sympa. Donc voilà. Et du coup, on a différents embouts. On a la petite raclette, on a l'embout. Coudé comme ceci. On a l'embout pour mettre 6 diamants, le multiplacer
pour en mettre. Alors non, là c'est 9, là c'est 6. Voilà, et ici c'est 3. Donc je trouve ça vraiment sympa. Et ce petit coffret de avec stylet et embout, il est au prix de 9,89 € sur le site de GBFKE. Donc voilà, si ces produits vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir sur GBFKE. La livraison a été rapide, hein. Il me semble que ça a mis 15 jours environ. Donc c'est moi vraiment qui ai du retard pour les vidéos. Mais au niveau de la livraison, il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je suis contente de vous avoir montré ces nouveautés. Je vais donc reprendre les vidéos petit à petit. Et puis, je vais vous souhaiter en attendant de très jolis DP, une belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Bye!